Bonsoir à tous, parce que ce sont deux clubs légendaires, parce que c'est la première manche d'un duel qui offre une place en finale à Berlin, parce que c'est Messi, Neymar, Suarez, Müller, Lahm, Lewandowski, parce que c'est le retour de Pep Guardiola à Barcelone. Pour toutes ces raisons, Barça-Bayern fait partie des sommets d'exception de cette fin de saison. On profite du tifo et de l'hymne du Barça. We are ready, dit le public du Camp Nou. On verra la suite de cette deuxième demi-finale aller. La première hier a été magnifique entre la Juve et le Real Madrid. Récupération de Daniel Alves par le hors-jeu et sortie anticipation de Neuer. Alors, Suarez est furieux. Pas le hors-jeu. Les milieux n'ont pas passé. Là, ça ne s'est pas levé et ce sera un duel entre Suarez et Manuel Neuer. Oh, qui remporte ce premier duel magnifiquement, le gardien du Bayern en étendant le tout son long. Sa jambe droite, ça aussi ça peut peser pour la suite. Suarez, encore une fois, le dribble extérieur sur Boateng, le centre, et Neymar qui n'arrive pas encore à convertir ce bon centre. Ça rebondit là-bas sur le retour de Rafinha. Et encore une fois, on va voir, c'est Suarez qui déclenche tout ça. Lewandowski et son masque. Et c'est lui qui est là, il y a deux solutions de la surface. Lewandowski un peu court, il s'était projeté très très vite, l'attaquant polonais. Voilà la première grosse occasion pour le Bayern. Oui, très très grosse, Grégoire. Du Barça, Messi. Oh, le bon centre que Manuel Neuer va laisser filer tranquillement. Habituel, on a envie de dire, regardez les petits appuis, la percussion, la manière dont il se joue avec ses adversaires. On a l'impression que plus il y en a et plus il est content. Sans zone et de marquage pour le Bayern. Oh, et cette tête de Luis Suarez juste au-dessus de la transversale. Messi. Et il a sifflé, monsieur Rizzoli, pour sortir le premier carton jaune de sa poche. C'était Messi. Oui, c'était cadré. Et la boîte, elle a encore fonctionné. Et forcément, l'appui sur Neymar permet derrière de s'ouvrir un peu d'espace. Dribble intérieur et la frappe. Elle a été détournée. Ter Stegen n'avait pas trop anticipé sur cette frappe de Thiago Alcantara. Messi, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Neymar. Et voilà Manuel Neuer. Et ça n'a été aucun des deux. Et le danger va revenir avec Messi. Le danger revient avec Messi. Et à la 77e minute, pour son 100e match en Ligue des Champions, il vient tromper Manuel Neuer dans le tout petit espace au premier poteau et marquer son 9e but cette saison en Ligue des Champions. Barça 1, Bayern 0. Où Rakitic fait merveille dans sa lecture du jeu. Messi, il est passé avec le pied droit. Extraordinaire Lionel Messi, deux buts en 3 minutes. Voilà le génie qui déclenche la foudre à deux reprises sur le Camp Nou et qui donne un avantage très important au Barça. Le Bayern a craqué en 3 minutes face à Léo Messi. 2-0. Attention, pas de hors-jeu pour Luis Suarez qui va frapper en bout de course. Ah, il s'en veut terriblement. Oui, il y a une faute, mais il a laissé l'avantage, pas de hors-jeu, le troisième pour Neymar. Oh, la différence, elle est peut-être là, définitivement, avec Neymar, le Brésilien, à la 94e minute, qui vient inscrire ce troisième but du Barça. C'est l'inverse qui se produit, c'est ce Barça qui vient s'imposer, 3-0. C'est tout un stade qui se lève. Ce sont 11 joueurs qui ont les bras dans le ciel. Bien sûr, il y a un match retour. Bien sûr, le Bayern est capable d'immenses choses dans son stade de l'Allianz Arena. On verra ça mardi prochain. Mais que ce dernier quart d'heure fut intense.